Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez vu, ambiance festive pour ce 10e numéro du MAG. On est très très heureux que vous soyez avec nous. Merci d'être là à cet horaire inhabituel aujourd'hui, à l'heure du déjeuner. Bon appétit si vous êtes devant votre écran avec votre repas. Un MAG donc, bilan, hein. On a décidé de dresser une sorte de bilan de l'année 2022 avec, vous le verrez dans quelques instants, mon édito. Dans la foulée, nous recueillerons avec Mario Fernandez les derniers résultats des Buzzi Ratio. Alors, c'est 2021, mais ça comptera aussi pour 2022. Avec l'équipe de la com, vous l'avez vu dans le générique, Chloé et Clémentine, nous revisiterons 2022 et le meilleur de cette année, tous les événements importants qui se sont passés, les événements marquants, et notamment le palmarès des derniers trophées, bien sûr, avec un gros plan aujourd'hui sur les lauréats de la catégorie Grande Découverte de l'environnement de travail, avec nos invités, Noël Odic, qui est chef de projet chez Covivio, et Grégory Blom, qui est responsable immobilier chez OVH Cloud. Et puis, nous nous projetterons aussi vers 2023 avec l'équipe de la com, avec Mario, aussi pour évoquer les priorités de vos boulots, de vos travails, comment faire face aux nouveaux enjeux, comment répondre aux nouvelles obligations. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, l'actualité est brûlante. Bref, on a beaucoup de choses à voir ensemble dans ce MAG numéro 10 qui va démarrer, si vous le voulez bien, tout de suite avec Mario Jingle. C'est comment? Alors, tout est figé de mon côté. Je ne sais pas ce qu'il en est du vôtre. On va vérifier ça tout de suite. En tout cas, visiblement, il y a un petit problème. Alors, attendez. Est-ce que l'application fonctionne ou pas? On va vérifier ça ensemble. Il y a un petit souci. Déjà, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Je ne suis pas sûr. On va vérifier tout ça ensemble. Gros souci technique. Alors, attendez. Plus rien ne répond de mon côté. Je suis de retour. Alors, j'espère que vous voyez, vous m'entendez. Visiblement, on m'appelle, mais là, je suis de retour. Ça fonctionne. Vous allez pouvoir me répondre d'ailleurs directement sur le chat de ce mag, hein, comme on en a l'habitude. Voilà, Noël me confirme qu'on nous entend, qu'on m'entend, donc tout va bien. Allez, l'édito, on va pouvoir l'attaquer. Je le disais, l'année a été très riche en évolution dans l'organisation du travail, avec donc des impacts concrets pour tout le monde. On peut dire d'ailleurs maintenant que vous êtes, vous, les DET, chaque jour devant un casse-tête, hein, qui est loin d'être simple, pour satisfaire les besoins de chacun avec des problématiques, des enjeux qui s'additionnent. Par exemple, bien sûr, la gestion du flex office, la semaine des 4 jours qui est envisagée par certains, dont 2 de télétravail, un équilibre à gérer entre le virtuel et le présentiel, ce travail hybride qui vous demande donc de trouver des solutions pour garantir notamment le lien social entre les salariés et donc l'unité de l'entreprise. Vous avez en plus les obligations de sobriété, la gestion de surface, de l'aménagement, de l'exploitation, sans nuire au confort de chacun. On a d'ailleurs, tiens, des chiffres pour illustrer tout ça. Vous le voyez sur la vignette, 22% depuis le début de l'année, 22% de mètres carrés en moins occupés par les grands groupes. Ça illustre une tendance, hein. On réduit le nombre de mètres carrés, on réaménage le travail, donc c'est une tendance et même un enjeu de société. C'est ce que disait Flore Prader, qui est directrice recherche et prospective sur le futur du travail chez JLL. Les salariés, notamment les plus jeunes, sont attachés à leur employeur par l'expérience qu'il leur fait vivre. Ils sont en quête d'une forme d'alignement entre ce qu'ils sont, leur vie de chaque jour, et le type de travail qu'ils aspirent à faire, et donc forcément l'environnement dans lequel ils travaillent. Ce qui implique la création d'espaces plus qualitatifs, meilleure acoustique, des espaces privatifs, un environnement collectif, convivial, des jeux, un design inspiré par la biophilie, avec l'importance liée à la lumière. Mais Flore Prader le souligne aussi, la grande révolution, c'est donc, on le disait, l'adoption par beaucoup du flex office.
et qui confirme une espèce de glissement de société, c'est-à-dire qu'on bascule petit à petit de la propriété à l'usage au partage. Voilà, on n'a plus envie d'être propriétaire de son endroit, on le partage et on l'utilise quand on en a besoin. D'ailleurs, encore des chiffres que vous voyez hein, qui illustrent tout ça. Avant le Covid, les postes de travail n'étaient utilisés en moyenne qu'à 50%. Donc, c'est vraiment un élément, un indicateur très intéressant. Et depuis, le taux n'a cessé de chuter. On est passé du travail linéaire au travail à la carte. Et c'est vrai que pour accentuer la performance des employés, les entreprises ont besoin qu'il y ait une relation gagnant-gagnant entre chacun. C'est ce que dit d'ailleurs Flore toujours dans son étude pour JLL. Les nouveaux espaces collectifs sont imaginés pour la détente, pour être des vecteurs de nouvelles synergies entre équipes, pour créer du lien. Il y a un autre élément qui est important dans la cohésion d'équipe, ça on le connaît bien en France, c'est la réunion. Sauf qu'en France, on souffre d'un syndrome, c'est la réunionite aiguë. Et on a constaté que cette situation s'était aggravée, que le travail hybride, avec donc le recours parfois excessif aux réunions en visio, hein, qui sont devenues souvent un obstacle à la productivité et donc une source de frustration pour beaucoup. C'est vrai que trop de réunions tuent la réunion. Et souvent, elles sont d'ailleurs organisées pour livrer des infos aux participants sans qu'aucun retour ne soit vraiment attendu de leur part. Donc, vous avez des personnes qui sont un peu passives devant leur écran. On le voit aussi dans les chiffres hein, qui sont proposés, partagés. Un actif sur trois a télétravaillé en 2022, a donc participé de plus en plus aux réunions en visio, ce qui pousse d'ailleurs chacun à s'équiper. Hein. En 2020, 81% des télétravailleurs disaient qu'ils manquaient d'équipement pour le télétravail. Alors, ils sont un peu moins maintenant, 70%, vous le voyez là aussi dans les résultats de cette étude. Mais seuls 40% des télétravailleurs déclarent avoir été aidés par leur entreprise pour s'équiper en 2022. Beaucoup regrettent de devoir utiliser, par exemple, leur ordinateur personnel pour travailler. Bref, que vous soyez sur votre ordinateur perso ou votre ordinateur professionnel, on va faire en sorte que vous n'ayez pas l'impression d'être dans une réunion visio où vous ne participez pas. Au contraire, vous ne participez pas. Au contraire, on vous demande de réagir, de poser vos questions. Vous faites ça dans l'onglet chat. Hein, sur la droite de votre écran. Vous répondrez aussi tout à l'heure à un petit sondage, une question qu'on vous posera, car c'est un magazine interactif, c'est votre magazine, et on va prendre du plaisir, je l'espère, ensemble jusqu'à 13h30. On va commencer avec des chiffres et les busy ratios de Mario. Jingle. Now we're back here once again. Holidays and cheer, but now I got my eye set on you. Mario m'a rejoint sur scène donc pour ses busy ratios. Mario, le responsable études et prospective de l'ARCEG ou de l'IDÉ, maintenant devrais-je dire. Mario, bonjour. Bonjour Miguel, comment vas-tu? Ben, ça va très très bien, je suis ravi de te voir. D'autant que tu vas partager avec nous des infos très intéressantes. Je le disais, les busy ratios ont toujours un temps d'avance. Hein, donc, on a des résultats qui valent pour 2021, mais qui sont des indicateurs intéressants pour la suite. Oui, tout à fait. Et d'autant plus qu'on analyse des tendances qui ne sont pas strictement limitées à d'une année à l'autre. On verra ça plus tard. Mais juste avant de commencer, je voulais juste parler rapidement de ce que c'est, de ce que sont plutôt les busy ratios. Les busy Intéressant. ratios ont pour vocation de chiffrer et d'analyser le coût des environnements de travail en France. Donc voilà, on parle d'environnement de travail au pluriel maintenant sur les busy ratios, puisque comme on sait bien, on a une tendance de fond de libération des espaces de travail. Donc voilà, le bureau n'est plus l'espace exclusif de l'environnement de travail. On parle aussi du télétravail à domicile, des espaces de coworking, etc. Donc c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'environnement de travail et dans le cas des busy ratios, des coûts des environnements de travail. Donc quel est le panel finalement des busy ratios? Eh bien, en 2022, pour les données 2021, on a eu en surface environ 2 millions de mètres carrés, environ de 100 000 postes de travail et puis finalement environ 120 000 collaborateurs qui ont participé à cette campagne 2022 des busy ratios. Donc voilà, ça c'est pour juste vous présenter rapidement en quoi consistent les busy ratios. On a aussi pas mal de rubriques, pas mal de catégories
qui structure le coût des environnements de travail. On a tout ce qui est lié à la charge des bâtiments, donc les loyers, la fiscalité, etc. Les charges d'exploitation, donc propreté, sécurité, etc. Les fournitures de services aux collaborateurs, comme par exemple la restauration ou bien l'accueil. Les fournitures de moyens et d'équipements, comme les flottes automobiles ou les déplacements voyage, la main d'œuvre. Et cette année, pour la première fois, on a intégré également les environnements hors site. C'est logique puisqu'on commence à parler, comme je disais, d'environnement de travail au pluriel. Donc, on a intégré aussi domicile et espace de coworking. Donc, voilà, ça, c'est juste pour vous présenter comment les busirations sont structurées. On a eu, bien entendu, des résultats chiffrés puisque c'est le but des busirations. Pour vous montrer le coût d'un environnement de travail et des environnements de travail moyens en 2022, on était sur 12 481 euros par poste, 11 605 par collaborateur et 681 par mètre carré. Alors, bien entendu, il est difficile d'extraire une tendance de par collaborateur puisque, et ça c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné avant, on a intégré un nouveau dénominateur par collaborateur cette année. Normalement, c'était par poste et par mètre carré. En revanche, on peut bien parler d'une tendance à moyen terme dans ce cas, si on l'étale sur 5 ans, 2017-2021, sur les postes et sur les mètres carrés en termes de coûts, on voit bien que par mètre carré, on a eu une baisse de 8% et par poste, on a eu une baisse de 10%. Alors, voilà, donc voilà Miguel, en termes de tendance, rapidement, voilà les chiffres. Je vais vous expliquer à tous pourquoi. On a plusieurs tendances qui se dessinent à moyen terme sur la période 2017-2021. Déjà, avant tout, ce n'est pas tous les coûts hein, qui ont descendu et qui ont baissé. On peut voir, par exemple, que les charges liées au bâtiment ont augmenté dans le temps. On sait bien que voilà, le marché des bureaux en Île-de-France, mais aussi dans les métropoles régionales principales, a eu tendance à augmenter dans le temps. Le mètre carré est devenu plus cher. Il y a eu certaines zones où la demande a été très, très forte. En revanche, si on regarde le deuxième poste de coût historique, les moyens et équipements, on voit une baisse quand même très, très forte, notamment en raison de la réduction du nombre de voyages d'affaires. On sait bien que la pandémie a eu un impact là-dessus, mais il y a eu des baisses quand même dans le temps, même avant la pandémie, pour plein de raisons, hein, pour des questions d'optimisation de coûts, des questions RSE. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas que ça, il y a aussi la digitalisation, le télétravail, qui a pu impacter aussi cette catégorie. Troisième position, quand même, l'exploitation, il y a eu des baisses aussi. On voit les conséquences et l'impact des efforts de performance énergétique des bâtiments. C'est un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui, même si aujourd'hui, on sait bien que la sobriété énergétique est particulièrement importante et pressante pour des questions de coûts, mais aussi pour des questions de RSE. Mais en tout cas, voilà, l'exploitation est à la baisse également. Et quatrième poste de coût, les services aux collaborateurs ont baissé pour leur part aussi. Pour plein de raisons, mais la cause principale est la remise en cause du modèle classique de restauration d'entreprise. On sait bien, hein, il y a une baisse du taux d'occupation dans le temps, il y a le télétravail. La restauration d'entreprise a été traditionnellement adaptée au travail en bureau strict ou presque strict. Donc, dans ce cadre aussi, on a vu un impact sur les coûts. Donc, voilà, ça c'est pour les busirations, Miguel. Donc, je te laisse prendre la main. Très bien, merci Mario. Si vous avez des questions sur ces résultats, sur ces tendances hein, qu'évoque Mario, vous n'hésitez surtout pas à les poser dans l'onglet chat. Et puis, Mario, rappelle juste du modus operandi pour avoir accès à ces busirations pour celles et ceux qui voudraient avoir l'intégralité des résultats. Tout à fait. Pour ceux qui souhaitent commander le busiratio, le bon de commande est présent sur notre site internet ou sinon, vous pouvez écrire directement à moi-même ou au pôle études pour qu'on vous envoie le bon de commande. Très bien. N'hésitez pas. Merci Mario. Tu reviendras tout à l'heure hein, dans ce mag pour se projeter avec toi sur vers 2023 et vers les tendances qu'on peut constater justement sur tous les métiers de l'environnement de travail. Merci Mario et à tout à l'heure. On continue à passer en revue 2022, faire le bilan de cette année tout de suite avec maintenant le bilan côté com. I'm not gonna play it safe.
Ça donne envie de danser, hein, c'est fou, hein. J'adore. Clémentine Bruneau et Chloé Meyer, bonjour. Bonjour Miguel. Comment allez-vous, mesdames? Super, on peut Ouais. que aller super bien avec une musique aussi entraînante. Ça donne envie, hein. Faut que ça me dit en tout cas qu'il faut absolument que je pense à vos cadeaux, hein, à mettre au pied du sapin. Très Avant cela, important. et avant d'être à Noël, mesdames, on va revisiter cette belle année 2022 qu'on a passée ensemble. Super. Je dis bravo, bravo pour le travail accompli pendant l'année et bravo pour le film qui résume tout ce travail. Franchement, Chloé, Clémentine, c'est un très beau résumé de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce qu'on a vécu grâce à vous pendant cette année 2022. Merci, merci à Chloé qui a passé quelques heures sur la vidéo. On l'a faite à deux, mais merci. On Voilà. espère que ça vous a plu à tous. Une année riche qui nous a permis de préparer l'année à venir aussi et les grands sujets de l'association. J'en profite du coup pour te remercier, Miguel, puisque toi aussi tu as rejoint l'équipe de la com avec l'autre Clémentine et Chloé. Et Chloé également, d'ailleurs, qui arrive en début d'année. Donc voilà, pour l'équipe com, il y avait plein de défis aussi à relever cette année. Donc merci à tous les deux. Et Merci à toi. voilà, et donc une année effectivement pleine d'événements, une centaine d'événements, une centaine de retombées presse également, puisque voilà, on a eu beaucoup de sujets à traiter d'actualité. Voilà, avec trois conférences de presse organisées. On a également été très présents sur les réseaux sociaux, plus de 450 posts hein, sur toute l'année. Voilà, donc on essaye de montrer qu'on est là, de représenter aussi votre filière métier à tous. Et voilà, et on espère vous retrouver l'année prochaine. Eh bien justement, l'année prochaine, on va en parler ensemble tout à l'heure, hein. Vous reviendrez, Chloé et Clémentine, pour se projeter vers 2023 et voir un petit peu les rendez-vous qui nous attendent. En attendant, vous qui nous regardez, n'hésitez pas à poser vos questions à Chloé et Clémentine. Elles y répondront bien sûr au long de ce mag. Vous allez dans l'onglet chat et vous posez vos petites questions. À tout à l'heure, mesdames. À tout à Et l'heure. pour le moment, pour rester toujours sur l'année 2022, on va maintenant faire un gros plan donc sur les lauréats de cette catégorie qu'on va mettre en valeur, les grandes découvertes de l'immobilier, de l'environnement de travail avec nos invités tout de suite. Jingle. Voilà, ils ont leur jingle, ça y est. Grégory Blom qui nous rejoint pour OVH Cloud. Il va monter sur scène, Grégory. Il arrive. Bonjour, Grégory. Bonjour.
responsable immobilier chez OVH Cloud, donc co-gagnant, co-lauréat de ce trophée avec celle qui va nous rejoindre aussi, c'est Noël Audic, qui est chef de projet chez Covivio. Noël va se connecter, il suffit de cliquer sur participer en bas de l'écran pour monter sur scène et nous rejoindre et donc nous présenter à toutes celles et tous ceux. Bonjour Noël. Bonjour à tout le monde. Bienvenue, merci d'être là. Vous allez, je le disais, nous présenter Stream Building, cet immeuble qui vous a permis de remporter ce trophée à Cannes il y a quelques jours, le 24 novembre dernier. Mais avant toute chose et avant d'en parler, tiens, pour celles et ceux qui n'étaient pas justement au Palais des Festivals, je vous propose de regarder les 40 secondes qui vous ont permis, qui ont participé à cette victoire. Regardez le film de présentation de Stream Building. Le Stream Building est basé sur un système constructif innovant, totalement modulaire et évolutif. Une structure en bois qui permet un chantier accéléré dont la trame unique peut accueillir toutes les formes d'activité. Il répond ici au Batignolles aux défis de la ville de demain, accueillir nos modes de vie décloisonnés. Le Stream Building, c'est une plateforme de vie 24 heures sur 24, une maison pour tous. Un rapprochement unique d'espace et d'activité. Le Stream Building est un organisme vivant, basé sur des circuits courts. Son fonctionnement métabolique et sa gouvernance partagée en font un modèle d'économie circulaire et solidaire. Voilà pour la présentation. Donc, en image du Stream Building, avant que Grégory, au nom d'OVH Cloud, nous dise pourquoi son entreprise a choisi justement d'occuper cet immeuble, Noël, avec vous, on va déjà découvrir la genèse et tous les détails du projet. Noël, ce Stream Building, c'est un projet qui a déjà quelques années et vous allez nous le présenter en détail. Tout à fait. En effet, il a quelques années. Et on va commencer par vous présenter une petite vidéo de notre directeur général au sein de Covivio. Ok, on regarde. Bonjour, Olivier Estève, je suis le directeur général délégué de Covivio, en charge plus particulièrement des opérations de développement en Europe. Alors, Stream Building, c'est une opération qui a été conçue dans le cadre de l'appel d'offres Réinventer Paris. C'est la deuxième opération très significative qui est livrée après Morlan. Et c'est un immeuble qui a été conçu comme un écosystème vivant 24 heures sur 24, qui se situe dans le quartier de Clichy-Batignolles, un quartier nouveau qui a été conçu au 21e siècle et qui va accueillir l'ensemble des services de la ville. Donc on va y retrouver un hôtel Zoku, un concept innovant, on va y retrouver 9 600 m² de bureaux, on va retrouver des espaces de coworking, des commerces avec notamment une brasserie parisienne qui sera opérée par un restaurateur local, une offre de service, une offre de restauration rapide. On a également cette notion d'écosystème circulaire puisque notamment les déchets de l'immeuble seront réutilisés et compostés en toiture au niveau de l'agriculture urbaine qui produira ensuite des végétaux qui seront réutilisés dans les restaurants. Et pour l'anecdote, on aura également du houblon en façade qui nous permettra ensuite de brasser sur place la bière Stream Building. Et puis également, dans le cadre de notre démarche Un immeuble, une œuvre d'art de l'artiste Pablo Valbuena qui va s'intégrer et venir illuminer la proue du bâtiment et qui sera très visible depuis notamment le boulevard périphérique. Covivio a des engagements RSE importants. On a aujourd'hui 91% de notre patrimoine qui est certifié avec des certifications HQE, BRIM, bâtiment bas carbone. C'est une ambition pour nous, notamment pour ce qui concerne la biodiversité, la réversibilité des bâtiments et évidemment la performance environnementale. Stream Building, lui, fait l'objet de plusieurs labellisations. On est HQE excellent, on est BRIM excellent, on est aussi bâtiment bas carbone. D'ailleurs, Covivio est un des fonds.
Alors, ce que je vous propose en effet, c'est de balayer les petites slides que je vous ai présentées. Ah, très bien, vous vouliez arrêter le film, pardon. Voilà, tout à fait, qui vont venir compléter en fait les propos d'Olivier, parce qu'en effet, on a une version longue et je sais que voilà, on a beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui. Vous avez raison. Voilà, donc on... Alors, on vous écoute. Voilà, tout à fait. Alors, comme le disait Olivier précédemment, c'est un concours Réinventer Paris, c'est les premiers concours Réinventer Paris où la ville de Paris a mis à disposition des fonciers et où elle a demandé à ce que chaque opérateur avec des architectes réfléchisse au devenir de ces fonciers. On a été lauréat en 2016. Anciennement, en fait, à la localisation du Stream, en fait, il y avait un stationnement de bus. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, le patrimoine a très bien été revalorisé. C'est une construction qui a été réalisée fin 2019 pour finir là tout récemment en 2022. Alors, il s'est passé 6 ans. 6 ans, c'est vrai que dans notre métier, c'est vrai qu'il faut être extrêmement patient. Et plus sérieusement, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un projet de 2016 livré en 2022. On pourrait dire, bon, c'est un peu obsolète parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en 6 ans et surtout dans nos métiers. Mais en fait, pas du tout, parce qu'on voit bien qu'il répond vraiment aux standards aujourd'hui que nos preneurs, et Grégory pourra nous en parler, la mixité structurelle, la mixité programmatique, on a notamment du Synaspic, on a de l'économie circulaire, de l'agriculture urbaine, de la concertation publique, Olivier l'a rappelé aussi, on a de l'art au sein du bâtiment, on a fait de l'insertion sociale pendant toute la durée de l'immeuble et pour l'exploitation après des espaces verts aussi, on aura de l'insertion. Et voilà, pour résumer, c'est un vrai hub relationnel. Et nous allons le voir au travers des sacs que je vous présente là. Donc là, sur la carte, on voit la localisation. Je ne sais pas si on voit ma petite souris. Voilà, le Stream est dans le nord-ouest de Paris. Et vous pouvez le voir à la lecture de la slide, en fait, c'est assez bien desservi en termes de métro. Voilà, on n'est pas très loin des grandes gares parisiennes. Et en complément, on a souhaité apporter de la mobilité douce à ce bâtiment. Et donc, on a un peu plus de 200 emplacements de vélos. Parce qu'aujourd'hui, ça correspond à des vrais besoins de nos utilisateurs et on a souhaité y répondre. Donc, ce projet a été un défi à plein d'égards et notamment sur la mixité, et notamment la mixité structurelle. En effet, on a un bâtiment bois avec un noyau, bien sûr, en béton parce qu'on ne pouvait pas s'exonérer totalement du béton pour une raison de stabilité de l'ouvrage. Donc, vous pouvez le voir au travers de cette coupe, je trouve qu'elle est très significative, c'est qu'on est traversé par sur toute la longueur du bâtiment qui fait plus de 131 mètres, on a la ligne 14. Sur sa largeur, on a la ligne 13. Sur la partie bleue que vous voyez, on a le poste de redressement de la RATP. Donc, il a fallu construire tout autour, mais sans se poser dessus. Et enfin, à l'extrémité côté périphérique, en dessous de l'exostructure, on a le réseau urbain, le CPCU, voilà, le réseau parisien de chaleur. Donc voilà, il a fallu faire avec toutes ces composantes pour réaliser un immeuble et puis sans gêner tous nos voisins aux alentours. Donc ça a été vraiment une prouesse et comme j'aime à le dire, c'est vrai que toute cette partie infrastructure a été vraiment un chantier dans le chantier. Donc on a poutres poteaux en bois. Et donc, on va le voir au travers des slides que je vais vous présenter après, mais sur la partie bureau, voilà, on voit ce bois est très présent. Je trouve qu'il est très chaleureux. Et alors, en revanche, sur la partie hôtel, on a été obligé de l'encoffrer pour des raisons acoustiques, parce que les besoins acoustiques sont beaucoup plus forts, bien sûr, sur des zones de sommeil. Voilà, on a utilisé différentes typologies de bois en fonction des besoins, de l'épicéa sur les bureaux, du CLT sur l'hôtel parce qu'il y avait des besoins acoustiques forts, et sur l'extérieur, bah, du mélèze et du douglas parce que là, il y avait des besoins d'un point de vue des intempéries, donc il fallait assurer une pérennité de ce bois. Donc voilà, on a composé avec tout ça pour la mise en œuvre de ces éléments. Donc on a essayé de favoriser la filière française, même si aujourd'hui elle n'est pas totalement établi pour faire 100% de production française, mais on a œuvré pour en faire un maximum et donc aujourd'hui on est assez satisfait d'avoir favorisé 57% du bois qui a été mis en œuvre vient de nos forêts françaises et pour limiter aussi l'impact carbone sur lequel tout le monde est extrêmement sensible aujourd'hui. Donc ça, c'était pour la partie structurelle, la mixité d'usage. Donc là, on voit bien le millefeuille de toutes les activités. Donc au rez-de-chaussée, on a 5 commerces. On a les bureaux du R1 au R5, au R6 et au R8. On a les chambres. On a 109 lofts.
C'est des lofts totalement équipés et on, sur la partie jaune que vous voyez à l'extrémité, c'est ce qu'on appelle la partie événementielle. Et donc, on a des espaces communs, on a un espace gym douce, on a une salle polyvalente de 100 personnes, on a un restaurant, on a une terrasse accessible. Et l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait de la porosité entre tous ces programmes. Et donc, les occupants des bureaux peuvent tout à fait venir boire un verre sur la terrasse de l'hôtel. Voilà, et aussi occuper les espaces du rez-de-chaussée dans lesquels on a souhaité une offre de restauration assez diversifiée pour répondre aux besoins de nos occupants. Donc voilà, concernant, ça c'était la mixité d'usage. Donc là, concernant la façade, on peut voir que c'est une façade extrêmement simple, épurée. On aurait tendance à dire que c'est extrêmement facile, mais en fait, ça a été une vraie prouesse technique parce que, comme je vous disais, on a une structure bois, donc on a mené de longues études pour permettre la mise en œuvre de ce bâtiment. Et comme l'a expliqué précédemment Olivier, on a souhaité, en tout cas quand on a répondu au concours vis-à-vis de la ville, qui était très demandeuse de beaucoup d'innovations au sein de ce bâtiment, c'est la réversibilité. On a une trame unique, on est sur 360, on a un pas d'étage unique, 330. Donc, ça pourrait permettre aussi… On voudrait faire 100% hôtel, on ferait 100% hôtel, etc. On pourrait voilà, rendre les programmes réversibles et ça, c'était la volonté de la ville auquel on a pu y répondre après un long travail d'études. C'est ce qui a plu au jury, notamment, j'étais là pour les délibérations, ce côté évolutif, ce côté vraiment rien n'est figé, rien n'est gravé dans le marbre, cet immeuble, il va vivre avec ceux qui vont l'occuper, quoi. Tout à fait, et en fonction des besoins et en effet des évolutions de ces besoins. Tout à fait, Miguel, vous avez raison. Et concernant donc l'œuvre d'art, donc vous le voyez à l'extrémité du bâtiment, et donc là on est côté périphérique, on s'est dit en fait qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser l'intégralité de notre faussière, en sachant qu'on a le chaud qui souffle et on ne peut rien construire au-dessus. Et on s'est dit pourquoi on ne mettrait pas une œuvre d'art monumentale. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait une consultation d'artistes. On a désigné Pablo Valbuena, un artiste international, et qui nous a imaginé cette œuvre. Donc, c'est des bandelettes qui sont mises sur l'intégralité des éléments bois. Et c'est un mouvement cubique que vous pourrez voir. Et là, vous le voyez au travers des différentes évolutions sur le dessin que je vous projette. Et l'idée, c'est la continuité du message, parce que je n'ai pas dit l'architecte, c'est Philippe Tiambaretta. C'est de montrer la modularité, on voit ces mouvements cubiques évoluer, etc. Et c'est de la continuité du message que Pablo a souhaité donner à cette œuvre, donc montrer la modularité et avec ce mouvement lumineux. Et bien sûr, avec une lumière douce, dans l'esprit bien sûr de ne pas agresser les utilisateurs du périphérique, tout a été étudié pour le confort de tous. Là, donc on a au centre du bâtiment, on a une faille végétale. Donc, c'est vraiment un vrai corridor écologique. Et l'idée, c'est que toutes les espèces puissent évoluer et avec l'objectif d'accéder à la terrasse du R+9, qui a une toiture potagère notamment. Voilà. Donc là, on voit les plateaux de bureaux, très généreux, très lumineux. Et ça, c'était vraiment un point d'attention et ce que souhaitait l'architecte. Et Grégory pourra vous en parler. Voilà, on va en parler, c'est ce que j'allais dire. On va en parler dans quelques instants avec Grégory. Voilà. On a des espaces. Et on a de la mixité, en effet, en termes de matériaux. Donc, du béton brut sur les noyaux des ascenseurs, associé, bien sûr, au bois et au métal déployé avec un escalier monumental qui dessert parce qu'on a souhaité favoriser l'inter-étage par l'utilisation de l'escalier plutôt que de l'ascenseur. Et on voit cette transparence, vous pouvez la voir sur la photo à gauche, on voit bien la lumière vraiment qui transperce les 18 mètres de profondeur du bâtiment. Donc là, on est dans la zone hôtel. Donc à gauche, on est dans le hall d'hôtel qui est assez particulier. C'est un concept, donc c'est Zoku qui va exploiter l'immeuble. C'est un exploitant hollandais et voilà, c'est son concept de recevoir, d'avoir le check-in qui se fait dans une zone bar-réception. Et ce que vous voyez en bas à droite, c'est les lofts que je vous évoquais avec l'escalier rétractable, la zone de nuit qui est en mezzanine et avec tout le confort qu'on peut avoir si on veut faire. L'objectif est de viser du long et moyen séjour. Donc, on a la kitchenette, tout est équipé. On a le micro-ondes, la hotte, le lave-vaisselle, tout est fait pour qu'on puisse y séjourner plusieurs jours. Et en haut à droite, on voit notamment des espaces communs. Alors aujourd'hui, ils ne sont pas totalement… On est en train de faire les aménagements du mobilier. C'est pour ça que je vous ai mis des photos, voilà, maintenant, avec l'aménagement futur
qui sera fait sur, sur ces différents espaces. Au niveau de l'hôtel, donc, je l'évoquais, il y a un rooftop au niveau donc, du R+8. Donc, c'est pareil, il va bénéficier bien sûr d'aménagement. Il y aura un mobilier adapté. Et ce qu'on peut voir, on a vraiment ce confort. Et quand on y est, c'est qu'on n'a pas les nuisances du périph' parce qu'on a bien sûr toute cette façade qui entoure. Et au-dessus, bien sûr, on est ouvert, on a une pergola et tout le monde peut bénéficier de cet espace. La particularité aussi de ce projet, bah, c'était une microbrasserie. En effet, au niveau de la façade sud-est, on a du houblon, on le récolte, on le brasse au sous-sol et on fait une bière 100% locale et qu'on redistribue notamment au sein du restaurant à rez-de-chaussée, dans la zone de l'hôtel et aussi dans la petite boutique pour les occupants des bureaux notamment. On a également aussi un compost. Donc, l'objectif de ce compost, donc voilà, on récolte les déchets des utilisateurs. Ça nous sert d'engrais. Ça nous permet voilà, de faire les cultures que vous voyez et cette production est 100% redistribuée au sein du bâtiment, aux utilisateurs bureau-hôtel. Donc vraiment, on a un cercle vertueux en ce sens. On a également aussi des panneaux photovoltaïques, car si on vient juste de petites minutes en haut à gauche, on a 385 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui nous permettent de produire 65 mètres cubes. Et ce n'est pas négligeable aujourd'hui. Vu le contexte, voilà, on a une petite autonomie grâce à ces panneaux photovoltaïques. Et là, voilà, c'est juste un schéma qui synthétise tout ce que je vous ai dit et sur le fonctionnement de l'économie circulaire. Donc, on voit la façade houblon, on récolte, on brasse et on revend au sein du bâtiment. La production voilà, qui est alimentée notamment par l'engrais du compost. Voilà, on essaie. Les panneaux photovoltaïques nous permettent notamment d'allumer l'œuvre d'art lumineuse pour ne pas faire de consommation, bien sûr, complémentaire. Et bien sûr, on avait une politique très forte et la ville avait beaucoup d'attentes et nos utilisateurs aussi sur les différents labels et certifications. Et donc, on en a visé un certain nombre. Voilà, donc là, ça synthétise tout ce que je viens de vous dire et je vais laisser bien sûr la parole à Grégory. Pour... Et oui, voilà. vous avez bien résumé les choses. J'ai beaucoup parlé. Bon, c'était parfait, Noël. Merci beaucoup pour cette présentation. Et je me tourne maintenant effectivement vers l'utilisateur, un des futurs utilisateurs, Grégory Blum pour OVH Cloud. Quand, comment, pourquoi vous avez choisi d'investir cet immeuble, Grégory ? Alors bonjour à tous. Quand ça remonte, on a commencé les premières recherches en novembre, donc en novembre 2021. Parce que dans la recherche immobilière, dans la gestion de notre parc, il fallait, comme on est une entreprise en croissance, il fallait augmenter nos surfaces, hein, contrairement à la plupart de mes confrères où eux, ils sont plutôt dans la réduction, nous, on est plutôt dans l'augmentation des surfaces. Ouais. On les utilise autrement, mais il faut quand même augmenter. Et donc, pourquoi Stream Building ? Ben déjà, parce que il est déjà bien placé, c'est pile dans le périmètre qu'on cherchait. Et après, le bâtiment en lui-même, ben c'est un peu ce que Noël elle a déployé tout au long de sa présentation. C'est un bâtiment qui permettait, qui répondait, nous, à notre premier axe, qui est de faire revenir les collaborateurs au bureau. On sait qu'il y a le télétravail, mais il y a aussi le bureau. Le bureau est un lieu de vie et on veut, nous, OVH, favoriser ce lieu comme un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Et Stream Building cochait toutes les cases. Parle comme on l'a vu, les photos, les grands plateaux qui permettent donc aux collaborateurs d'avoir accès à, voilà, plutôt dans l'horizontalité que dans la verticalité, même s'il y a plusieurs niveaux. L'éclairage aussi, très important pour le confort de travail de chacun. Et toujours aussi dans les échanges, cet escalier qui permet de favoriser justement, comme on n'a pas pu mettre tout dans l'horizontalité, favoriser tous ces échanges entre collaborateurs, entre chaque réunion. Voilà, on espère en tout cas que ce sera un endroit où les gens vont pouvoir échanger au-delà de la machine à café. Enfin voilà, partout ils vont pouvoir échanger. Oui, je remonterai les images un peu qu'on voit bien. Tout à fait. Voilà, c'est cet escalier. Pour illustrer ce qui a pu motiver votre choix. Alors d'ailleurs, très concrètement maintenant, parce qu'on a présenté ce Stream Building, on en est où là ? C'est pour quand ? Ah là, c'est pour quand ? C'est pour maintenant, dans le sens où, donc on a eu les clés il y a début octobre, et là on commence nos travaux d'aménagement pour compléter du coup tout ce que je viens de dire avec ce retour au bureau. Maintenant, on aménage les bureaux à notre sauce, pour
pour mettre notre charte graphique, enfin voilà, nos aménagements, nos espaces, et pour compléter tout ce que met à disposition Stream Building. Très bien. Vous avez déjà un feedback des salariés d'OVH Cloud avant même d'y entrer? Vous savez comment est perçu ce Stream Building? Oui, il est bien perçu. Là, le premier retour, c'est la luminosité. Ouais. C'est vraiment ce qui ressort des premiers échanges. Et là, et c'est le deuxième axe aussi de pourquoi ce bâtiment, c'est tout le côté RSE, où là, on commence vraiment à communiquer à tous nos collaborateurs pour leur montrer la chance qu'ils ont déjà d'être dans un bâtiment au dernier environnemental au top des certifications. Et aussi de tous les services qu'on n'a pas l'habitude, parce que c'est le petit plus qu'on a et on n'a pas l'habitude de voir ça dans notre parc immobilier, dans les autres agences qu'on a. Ben, on n'a pas l'habitude d'avoir un hôtel, on n'a pas l'habitude d'avoir des restos à proximité. Et ben, c'est le petit plus qu'on est en train de mettre en avant dans nos équipes. J'imagine que vos équipes, vous, côté immobilier, ont travaillé main dans la main avec les responsables de l'environnement de travail. Comment ça s'est passé justement par rapport à ce Stream Building? Bah, du coup, oui, on est dans la même équipe. C'est ça. Chez nous, chez OVH, c'est mon équipe où on a la partie plus immobilière et la partie environnement de travail. Donc, oui, évidemment, on a travaillé main dans la main, on a fait des réunions communes et tout le monde travaille dans le même sens. Ouais, tout à fait. Noël, vous vouliez peut-être réagir? Vous êtes toujours avec nous, bien sûr. Non, mais on est extrêmement content d'accompagner maintenant OVH. Et pour nous, c'est vraiment le cœur du métier de Covivio. On est une foncière. On a un objectif de garder les actifs dans notre patrimoine. Donc, on est très heureux d'accompagner nos locataires jusqu'à leur aménagement finaux. Et puis, on voit, ça nous permet, c'est vraiment la boucle est bouclée. C'est la finalisation d'un projet qui a démarré en 2016. Et de le voir après en exploitation, ce sera un réel bonheur pour les équipes de Covivio, parce que nos équipes exploitation prennent mon relais. Une fois que on a livré et que les travaux de Grégory seront finalisés, nos équipes exploitation prennent le relais pour travailler main dans la main sur la vie de l'immeuble avec les équipes d'OVH. Et ça, pour mes équipes, c'est aussi un réel plus, donc qui n'a pas été présenté, mais le fait d'avoir une seule et même foncière entreprise du début à la fin, ça facilite grandement les choses et c'est vachement bien. Vous pouvez poser vos questions dans la partie chat, vous qui nous regardez, à Noël et à Grégory. N'hésitez pas à le faire. On va garder encore Grégory et Noël quelques minutes avec nous pour y répondre éventuellement. Si ce n'est pas là maintenant en live, on le fera bien évidemment plus tard, d'autant que Grégory doit partir à 13h25. Mais il vous reste encore 9 minutes avec nous, Grégory et Noël. Et ça, vous savez quoi, ça tombe bien parce que j'aimerais bien que vous restiez avec nous pour témoigner de vos priorités pour 2023, puisque c'est notre sujet suivant. Juste avant, je vais féliciter quand même les autres nommés dans votre catégorie. Saluer le groupe Rocher qui nous a présenté la Bergerie, un EHPAD transformé en lieu de vie vraiment incroyable. Ça s'est joué à peu d'ailleurs, vraiment c'était très très serré. Je salue le groupe TF1 aussi. Qui nous a présenté sa refonte complète de son environnement de travail pour l'adapter aux nouveaux usages. 30 000 m² de bureaux revisités complètement, une vraie réussite. Là aussi, on avait trois candidats formidables dans cette catégorie et dont vous, les lauréats. Grégory et Noël, vous restez avec nous et on va se tourner vers, si vous le voulez bien, vers 2023 maintenant avec Mario qui va nous éclairer. Je ne peux pas m'empêcher de danser dès que j'entends cette petite musique de Noël. Mario est de retour. Mario, tiens, avant de lancer 2023, j'aimerais lancer autre chose, en l'occurrence une question sondage. Vous voyez sur le côté, vous avez l'onglet chat et juste après, vous avez l'onglet sondage. Je publie tout de suite le sondage. Et cette question, la semaine de 4 jours est-elle à l'étude dans vos entreprises? On en a parlé tout à l'heure en préambule, en introduction. C'est une tendance qui émerge chez beaucoup, dans beaucoup d'entreprises, beaucoup ou pas. Vous allez nous répondre avec trois propositions. Est-ce qu'elle est déjà, par exemple, en place? Est-ce qu'elle est à l'étude? Ou est-ce que c'est pas du tout envisagé cette semaine de 4 jours? Vous y répondez. Je peux peut-être d'ailleurs d'ores et déjà poser la question à Grégory. Grégory, la semaine de 4 jours chez OVH Cloud, on en est où? Je viens de voter, c'est comme la majorité, c'est hors de question pour l'instant. Hors de question, pourquoi?
Pas parce que c'est le titre de la question, sinon non, c'était pas d'actualité pour l'instant. Noël, pas d'actualité, vous n'en avez pas entendu parler pour le moment? Non, voilà, pour l'instant, j'en ai pas entendu parler. On a augmenté en effet les jours de télétravail, mais la semaine de 4 jours, ouais. J'en ai pas encore entendu parler. Pour l'instant, vous êtes sur le travail hybride. Donc, Mario, on se tourne vers 2023. Les priorités des DET, il y a des enjeux, il y a des obligations qui font que va falloir bosser sur certaines choses. Hein. Oui, oui, tout à fait, Miguel. Les DET font face à pas mal de défis en ce moment. Je dis défis, c'est pas un fatalisme, hein, c'est-à-dire que les DET sont habitués à faire beaucoup avec peut-être moins. Et il y a systématiquement des défis. Il y a eu des défis dans le temps et par le passé. Et systématiquement, les DET ont été là, ils ont relevé ce défi et ils ont toujours été plus performants. Donc voilà, je veux commencer pour dire que je suis tout à fait confiant sur la capacité des DET de relever les défis de 2023, qui sont nombreux. On peut commencer déjà par l'inflation. Ce n'est pas vraiment un secret. Hein. Je pense que tout le monde, à titre, dans leur travail et même dans leur vie privée, voit qu'il y a de l'inflation en France et dans le monde en général. Dans le cas de la France, on est sur 6,2% en 2022. Ce sont des chiffres d'octobre de l'INSEE. Et il y a plusieurs facteurs qui font que les prix augmentent. On a déjà toutes les tensions géopolitiques avec cette guerre en Ukraine qui malheureusement continue. On a également des perturbations souvent sur des chaînes de valeur internationales qui sont la conséquence encore de la COVID et notamment de la politique zéro COVID en Chine qui certes commence à finir à la suite des manifestations en Chine, mais quand même, il y a des conséquences et on vit quand même dans une économie très mondialisée. Donc voilà, ce qui impacte en pays impacte finalement tous les pays souvent. Donc voilà, il y a eu des pénuries dans ce sens. Il y a une crise énergétique qui est liée quand même à ce facteur-là, donc etc., etc. Donc tout ça, ça va être quand même un enjeu clé pour les DET en 2023 et pour les entreprises et même pour l'ensemble de l'économie en général. En parlant de cette crise énergétique, alors, en effet, il y a aussi un défi et un enjeu sur l'énergie, puisque, comme on verra en 2023, d'après les déclarations du gouvernement en octobre, les prix du marché du gaz et de l'électricité seront sûrement plus de 10 fois supérieurs à ceux de 2020. C'est pas une nouvelle extrêmement joyeuse, mais malheureusement, il y a une forte chance que ça soit le cas. On a déjà vu que les prix sont à la hausse et les facteurs, c'est l'emoji triste et à l'heure du jour. Mais au-delà de la guerre en Ukraine qui contribue malheureusement à cette tendance, il y a eu certains facteurs domestiques, comme par exemple la maintenance de certaines centrales nucléaires, notamment en lien avec des problèmes de corrosion. On parle quand même de 12 réacteurs sur 56, ce n'est pas anodin. Et également, malheureusement, on voit l'impact et les conséquences du changement climatique, notamment avec les canicules et sécheresses. Donc voilà, Miguel, il y a pas mal de défis. Que des bonnes nouvelles, Mario, le messager de la joie. Oui, je dirais des défis. Je dirais des défis parce que, encore une fois, je suis confiant que les DET seront à la hauteur des circonstances, même si, bien sûr, ce n'est pas facile. Mais ça, c'est pour l'énergie. Il y a également des aspects humains, je n'ai pas fini. Mais je sais, il y a les risques psychosociaux aussi. Oui, c'est ça. Ouais, effectivement, et pas que, hein, parce que même après le confinement, on voit que le taux d'absentéisme demeure plus élevé qu'avant la pandémie. Ouais. Cet établissement à 4,94% contre 4,78% un an plus tôt. Il y a plusieurs facteurs. Tu l'as bien dit, Miguel, il y a les risques psychosociaux, mais il y a également des questions conjoncturelles, saisonnières, de maladies saisonnières, des troubles musculosquelettiques. C'est une bonne opportunité pour rappeler que l'ergonomie est extrêmement importante. Voilà, faut jamais sous-estimer l'ergonomie. Même à titre individuel, la bonne posture aussi dans le travail, parce que ça peut nous impacter sur nos muscles, sur notre dos, etc. Donc, Avant de libérer Grégory, je vais demander Grégory sur ce tableau un peu noir. Quels sont les axes de travail ou les priorités que vous avez chez OVH Cloud? Qu'est-ce qui vous inquiète ou vous préoccupe le plus?
C'est un peu tous ces sujets. Il y a évidemment le prix de l'énergie et ce ratio entre confort et prix de l'énergie. Ouais. Et après, il y a évidemment l'inflation des matériaux pour permettre d'aménager nos bureaux et tous nos projets pour faire revenir ce que je disais, les collaborateurs. Bien sûr. Il y a toujours ce risque financier, malheureusement, qui est derrière. J'avais promis de vous libérer à 13h25, il est 13h24, Grégory. Merci beaucoup. Je tiens mes engagements, je suis comme merci. Ça. C'est la rigueur. Merci d'avoir été avec nous, Grégory. Je vous libère. Merci. Bonne fin de journée. Je garde Noël encore quelques minutes, si ça ne vous embête pas. À bientôt, Grégory. Noël, même question. Le tableau que nous dresse Mario, est effectivement, n'engage pas à la joie. Est-ce que chez Covivio, vous avez des axes de travail préférentiels? Oui, tout à fait. En fait, on voit bien aussi que les besoins des preneurs ont évolué depuis notamment le Covid. Donc, on essaye, voilà, on accompagne nos preneurs dans tous ces changements. On propose des baux à la carte. Soit on fait des bureaux 100% opérés ou voilà, ils n'ont plus qu'à venir et on leur propose via notre filiale de coworking ou Helio, voilà, des bureaux tout équipés. Soit on les accompagne plus sur du bail classique. On voit bien que voilà, faut repenser les besoins, faut refaire venir les collaborateurs. Aujourd'hui, voilà, on ne peut plus fonctionner dans du mètre carré comme on fonctionnait précédemment. Donc, il faut offrir plus de services. Il faut que les collaborateurs aient envie de revenir, s'y sentent bien. Et c'est notre objectif, nous, en tant que foncière, d'accompagner les DET dans cette démarche et que voilà, ils y trouvent un confort. Merci beaucoup, Noël. Mario, quelques mots avant de conclure? Voilà, juste pour répéter que, encore une fois, je sais que c'est pas un panorama très très joyeux, mais yes. Voilà, c'est pas la première fois qu'il y a, des sujets ou des tensions ou des défis ou des enjeux dans les environnements de travail. Ce n'est pas la première fois que les DET font face à des défis, à des enjeux. Systématiquement, dans le temps, on voit que les DET sont capables à trouver des solutions, oui. Répondre à ces enjeux. Donc, je suis complètement confiant dans la capacité des DET de le faire. Voilà. Très bien. La réponse au sondage, chers amis, la semaine de 4 jours est-elle envisagée par votre direction? À 73%, vous répondez hors de question. Non, ce n'est pas envisagé pour le moment du tout dans votre entreprise. Seuls 18% de celles et ceux qui ont répondu nous disent que c'est à l'étude et 9% où c'est en place. Donc vraiment, pour le moment, on est sur une très forte majorité, 73% qui n'envisagent pas cette semaine de 4 jours. En tout cas, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Merci Noël d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté ce lauréat du trophée des grandes découvertes de l'immobilier et de l'environnement de travail avec ce Stream Building. Bravo et belle fin d'année à vous. Merci, au revoir. Au revoir Noël, merci. Merci beaucoup. Au revoir Noël. Conclure, Mario reste là Mario, on va retrouver l'équipe de la com avec Chloé et Clémentine pour se projeter vers 2023. Elles sont là. Elles sont revenues. Chloé et Clémentine, on va vers 2023, mesdames. On a plein de choses à venir de joyeuses. En effet, on va essayer de redonner le sourire à tout le monde. Alors, qu'est-ce qui va se passer de beau? Donc, comme vous avez pu peut-être le suivre ces dernières semaines, l'ARSEC change de nom. Donc, depuis le 21 novembre, jour de l'Assemblée générale extraordinaire, les adhérents ont voté pour un nouveau nom que vous voyez apparaître, l'idée, inspirer et développer les environnements de travail. Voilà, donc nouveau nom que vous allez voir apparaître de plus en plus, voilà, qui reste un acronyme, mais qui a plus de sens et qui exprime davantage ce que l'on est, ce qu'est l'association, qui reste bien une association loi 1901, c'est important de le préciser. Et voilà, je laisse Chloé prendre la suite, puisqu'effectivement, qui dit nouveau nom dit nouveau site. Et merci Clémentine, c'est aujourd'hui que nous avons sorti notre nouveau site. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, les couleurs sont beaucoup plus vives. On a aussi des images plus dynamiques. Il est donc totalement en accord avec notre nouveau nom.
Son interface est aussi plus intuitive pour vous permettre une recherche rapide. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et découvrir les outils dont vous avez besoin. Familiarisez-vous aussi avec le nouveau site. Et l'équipe de l'ARSEG est là pour répondre à toutes vos questions. Voilà, donc un site qui se veut un peu plus ergonomique, plus moderne. Voilà, donc profitez de votre pause déjeuner pour aller faire un petit tour. Et donc bien sûr, sur nos réseaux sociaux, on a aussi changé nos noms. Donc si vous voulez nous trouver, maintenant il faudra écrire ID entre parenthèses SX ARSEG. Alors si vous ne nous suivez pas encore, n'hésitez pas, surtout pour ne rater aucune information importante. On est très actifs et ça nous ferait plaisir de vous retrouver. Et ça se fait automatiquement, il faut le dire. Hein, maintenant, quand on suit, par exemple, quand on suivait l'ARSEG sur Twitter, on garde toujours l'association suivie. Il ne s'agit pas d'un nouveau compte, mais du compte qui a changé de nom, tout comme l'association. Voilà. Et on espère vous retrouver à 10 000 l'année prochaine, puisqu'on frôle les 10 000 abonnés sur le compte LinkedIn. Mais on ne les a pas atteints pour le MAG, malheureusement. Donc, ce sera pour l'année prochaine. C'est l'objectif de 2023, c'est pas mal ça. J'aime bien. Et puis, on va se retrouver pour des événements, bien sûr, en 2023 avec l'équipe de la com. Vous allez encore organiser plein de rendez-vous, des after-work. Tout à fait. D'autres mags, il y aura plein de choses. La reprise des clubs. Voilà. Mario nous prépare un nouveau format, l'enquête sur, que vous retrouverez tous les mois. Donc, on a hâte de vous présenter ça. Des busy ratios, toujours plus près de la réalité. Et puis, effectivement, nos événements récurrents que vous connaissez maintenant. Et le prochain MAG, ce sera a priori à la mi-février. Mi-février, c'est ça. Avec toi, Miguel, on l'espère. Ouais, et puis Workplace Meeting, cette année, ça sera un peu plus tôt qu'en 2021. Ça sera fin mars, début avril. Début avril, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on y vivra une assemblée générale importante. Donc, on vous attend. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Clémentine, merci Chloé, merci Mario. Et l'autre Clémentine, elle aurait pu venir aussi, qui a participé à l'organisation de ce MAG. C'est le moment. C'est le moment, il faut venir. Clémentine, elle est où Clémentine? On ne la voit pas. Clémentine. Ah, voilà, je suis là. On va te mettre à l'écran. Alors Clémentine, c'est déjà la fête, c'est toujours sur la passion. Mais oui, Miguel, pour ce MAG spécial fête, voilà. Une guirlande sur la tête. Voilà. On est prêt à tout pour avoir des bonnes idées. Je voulais absolument que tu sois là pour te remercier, pour te féliciter avec toute l'équipe de la com pour tout le boulot que tu as fait sur la cérémonie des trophées à Cannes. Je crois que ça a été une très belle réussite grâce à tout le travail de l'équipe et à toi en particulier. Voilà. Merci beaucoup. C'est normal. Écoutez, les amis, on se retrouve en 2023. L'ARSEG ou l'ID ne va pas en manquer pour l'année à venir. On compte sur vous. Merci d'avoir été là. Voyez là, Clémentine en train de se concentrer pour lancer le générique. C'est pas merveilleux, ça ? Incroyable. Merci à tous. Bonne fête de fin d'année. Merci. Bonne fête à tous. I can see them now. It's like they spell your name. It's insane. But now I got my eye set on you. Oh, I'm not gonna play it safe. It's going down on Christmas Day. Cause I've been trying to tell you in every way. Yeah, I've been trying to show you, but somehow fail. I wanna have someone to paqueter.